Je vais vous présenter plusieurs solutions qui vont vous permettre d'installer Fortnite et Epic Games sur votre téléphone iOS ou Android, ce qui vous permettra de débloquer énormément de récompenses actuellement. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué, je vais vous montrer toutes les possibilités que je connais. Alors première chose, c'est que vous allez devoir aller sur Google. Ensuite, quand vous êtes sur Google, vous allez taper Epic Games. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez le site officiel, vous cliquez dessus. Et là, vous allez aller dans les trois petits points qui sont en haut à droite et en dessous, vous allez devoir cliquer sur télécharger. Là, le site en question va détecter si vous êtes sur Android ou iOS. Moi, je suis sur Android, donc il me demande d'installer sur Android. Mais si vous êtes sur téléphone iPhone, donc iOS, bah là, vous cliquez ici. Là, il sera marqué pour iOS et vous pourrez tout simplement télécharger l'application Epic Game Store. Donc là, je ne vais pas la retélécharger parce que bah, moi, je l'ai déjà installée sur mon jeu, enfin sur mon téléphone. Donc ensuite, quand il est téléchargé, vous aurez juste à aller dans vos applications, taper Epic Games. Et voilà, vous l'aurez là, vous le lancez. Et quand il est lancé, bah, vous allez pouvoir télécharger Fortnite, Fall Guys, Rocket League et Post Party. Donc voilà, ça, c'est les quatre applications disponibles actuellement sur le PlayStation, sur le Epic Game Store de Fortnite. Et ça, c'était la première solution pour installer Fortnite et Epic Game Store sur votre téléphone, iOS ou Android. La deuxième solution, c'est la même chose, hein. Vous allez sur Google, mais là, vous allez taper Fortnite. Voilà, comme ça, vous tapez juste Fortnite, vous allez sur le site officiel, donc Fortnite multiplateforme, et là, vous allez cliquer sur le petit bouton en haut à droite qui est marqué installer. Là, vous faites télécharger maintenant. Et normalement, bah, voilà, ça, moi, ça ne me le fait pas télécharger parce que ça m'envoie directement sur l'application. Mais si vous n'aviez pas l'application installée, ça vous aurait fait télécharger le logiciel directement. Et normalement, là aussi, ça vous fait télécharger sur Android ou iOS, peu importe le téléphone. Normalement, le site détecte directement si vous êtes sur Android ou iOS. Donc, ça vous envoie le fichier de téléchargement adéquat. Alors, j'ai une dernière solution, mais celle-là, je ne vous la conseille pas parce que bon, il y a peut-être des risques et je n'ai pas envie d'être responsable. Donc si vous voulez le faire, ben, c'est à vos risques et périls, mais voilà. En tous les cas, moi, il faut savoir que je l'ai déjà fait, j'ai rien eu, mais on ne sait jamais. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que quand vous êtes sur Google, vous allez mettre Fortnite APK. Voilà. Fortnite APK Android, hein, si vous êtes sur Android. Voilà. Et normalement, ben, le premier lien ou le deuxième lien, ça peut être le... À quoi que, celui-là, il est marqué sponsorisé, donc je ne vais pas cliquer sur le sponsorisé. Mais je vais cliquer sur le premier lien. Il est marqué Upto Down. Donc je clique sur ce lien-là. Ensuite, je descends. Ici, il y a la dernière version. Donc vous cliquez sur la dernière version. Là, vous avez une pub. Il faut cliquer en haut à droite sur la petite croix. Et là, vous redescendez. Vous attendez que ça charge. Quand c'est bon, vous cliquez dessus. Et là, ça va vous télécharger le logiciel Epic Games. Pour Android, APK. En fait, c'est directement l'APK, c'est carrément le fichier d'installation. Donc, si vraiment votre téléphone n'est pas compatible, vous pouvez essayer cette méthode. Mais regardez, il est marqué fichier potentiellement dangereux parce que votre téléphone ne peut pas vérifier le téléchargement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne le faites pas si vous avez peur. Mais si vous n'avez rien à perdre, ben là, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Et ça, l'APK... Je l'avais installé sur mon ancien téléphone et ça avait fonctionné, en tous les cas pour ma part. Mais si vous avez un doute, essayez sur un téléphone que vous n'utilisez plus et vous verrez bien si ça fonctionne. En tous les cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, si maintenant, parce que ça, c'est pour Android, si maintenant vous êtes sur iOS, je pense que c'est la même chose. Après, comme je n'ai pas d'iPhone, je ne peux pas tester. Mais je pense que si vous mettez Fortnite APK iOS, vous allez trouver des trucs. Hein. Regardez, télécharger pour Mac, Web, iOS, Android. Donc là, carrément, il y a un truc qui vous permet. En plus, c'est sur télécharger. Enfin, 01.net. C'est un site assez réglementé, enfin, assez réglo. Donc là, vous pouvez télécharger pour Android, pour iPhone, pour Mac, pour Windows. Donc, vous cliquez sur iPhone, vous cliquez sur la petite croix, vous attendez que ça charge, et ensuite, vous cliquez sur télécharger. Là, ça va télécharger le truc. Si bien sûr vous êtes sur iPhone, moi je suis pas sur iPhone donc ça le télécharge pas. Mais si vous êtes sur iPhone, normalement ça devrait fonctionner. Donc voilà, là je vous ai expliqué toutes les solutions que je connaissais pour installer Fortnite et Epic Games sur votre téléphone iOS et Android. Maintenant, si vous voulez débloquer les récompenses,
J'ai une dernière petite astuce pour vous. Vous avez juste à faire les glitches d'XP que je vous présente tous les jours sur ma chaîne YouTube. Et là, vous allez pouvoir débloquer énormément d'XP et pouvoir débloquer toutes les récompenses quasi instantanément sur Fortnite. Code créateur SCS.